car notre Dieu est présent, Seigneur. Depuis que ce séminaire a commencé, je sens l'amour de Dieu, sa puissance aussi, sa présence, l'amour. Avec cette chanson puissante, Jésus. Je crois qu'il y a une adoratrice dans cette histoire. Je crois qu'il y a un adorateur dans ce lieu. Oh, alléluia. Oui, Seigneur Jésus, nous sommes là pour t'adorer. Nous sommes libres pour t'élever, t'élever.
de Dieu. Thank you.
Le Seigneur montre sa présence dans tes projets. Commence à voir ce Dieu qui montre sa présence dans ta vie. Est-ce que tu comprends que l'âme est aimée? Est-ce que tu comprends que je t'ai béni pour les rencontrer? Est-ce que tu comprends que je t'ai pas béni pour autre chose? Non. Que la puissance de Dieu visite ce ange. Visite toutes les deux anges à cette lumière. Qui visite ma soeur aussi qui est là. Qui visite mon frère. Qui te visite. Que la main de Dieu, le Dieu montre sa présence. Qu'il montre sa présence dans tout ce qui préoccupe ton cœur. Qu'il montre sa présence dans tout ce que tu veux commencer à faire comme projet, comme réalisation. Qu'il montre sa présence là, c'est tout te blocage. Qu'il montre sa présence.
onction pour travailler. Reçois cette onction. Dieu t'a fait. Oh, Dieu, tu es fait pour servir Dieu. Tu es fait pour travailler pour le Seigneur. Oh, cette onction entre dans ton cœur. Cette onction entre dans ton cœur. Reçois cette force, reçois la puissance de Dieu, reçois cela, le service que Dieu t'a fait. Oh, ma, que ta coupe de bord maintenant, que ta coupe de bord de Mathieu, que ta coupe de bord, 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 la ta coupe que le Seigneur t'a fait. Vous savez, il y a d'autres personnes qui prient pour eux, mais tu attends le Seigneur te dire, comme il me dit que non, cet enfant a été conçu pour servir Dieu. Allez, touchons. Du coup, j'ai entendu une voix douce dans mon cœur. Il me dit, ses frères, c'est un serviteur de Dieu. Ses frères vont faire beaucoup de choses pour le Seigneur. La seule chose que Dieu lui dit de ne pas inviter, de ne pas faire ça parce que c'est ça. C'est le but du pourquoi il a été créé. Voilà pourquoi je demande à Dieu que lui comble de cette onction, qu'il le remplisse. Il m'a appelé aussi jeune que j'étais. Et de même qu'il est. Je vois qu'il appelle ses frères dans sa jeunesse. Ouh. 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 Bien-aimés, il y a des gens qui sont venus dans le monde comme des anges pour accomplir la mission de Dieu simplement. Ces gens peuvent tout faire, mais le but de leur existence, c'est servir Dieu. Comme nous, et quand j'ai touché ses frères, j'ai senti qu'il a la même nature que moi. Il a la nature que j'ai. Toute ma vie, je suis condamné à servir Dieu. Et lui de même, il est appelé pour ça. Oh, Dieu tout jeune, j'avais même pas 18 ans. Dieu m'a fait porter cet amour et ce fardeau
de les servir, j'étais encore tout jeune. Je commençais à fréquenter l'église. Dans les 15 ans et demi, bon, je fréquentais l'église depuis mon bas âge. Quand je dis fréquenter l'église, du moment où vraiment, j'étais vraiment servir. Je ne parle pas de l'église, parce que moi, depuis que je suis un enfant, j'aime l'histoire des églises. Alors, c'est plus tard que j'ai compris, j'étais fait pour ça. Pourquoi j'aimais aller dans les églises, tout ça. L'âge de 15 ans et demi, du moment où elle devait venir en Europe, j'ai commencé à fréquenter l'église. C'était pendant les vacances. Hein. C'est pendant les vacances de l'école. J'ai commencé à fréquenter l'église, tout jeune encore. Elle est là, elle est venue. Elle m'écrivait, mais je ne répondais pas. Je ne répondais pas. Elle avait le droit de se fatiguer de moi. Elle a arrêté, mais elle ne m'a pas oublié, ce qui est important. Ce n'est pas ça mon souci. Mon problème, c'est ce que Dieu avait mis dans mon cœur de les servir. Bien-aimé, il y a des gens, comme je dis, quand j'ai touché cet enfant, Mathieu, j'ai senti ça, on le sent. Parce que les hommes spirituels se reconnaissent aussi. C'est ce que vous allez voir que lorsque la Bible dit les trois hommes, quand ils se présentaient devant Abraham, Abraham a compris directement, c'est déjà, il faut que je me prosterne, il faut que je lave les pieds. Parce que ce sont des êtres spirituels, la connexion. Je suis parti au Congo, Brazzaville, j'avais pas encore 18 ans, je suis parti faire la réouverture de notre église. Je me rappelle ce jour-là, comme l'église était à ciel ouvert, je dormais à l'église, la pluie commençait à tomber. Et je ne connaissais personne au Congo Brazzaville. Je me mouillais, j'étais là comme ça. À un moment, des larmes collaient. Je voyais que j'étais jeune, mais je porte quelque chose de très lourd pour moi. Et Dieu m'a rassuré. Tu es jeune, mais tu es avec moi. Je passais de semaine en semaine au Congo Brazzaville. Je dormais à ciel ouvert. Les habits que je portais, ça se mouillait là. Les chaussures, ça se mouillait là. Je me séchais toujours là pour simplement remonter l'église qui a été fermée. Tu ne peux que faire ça si tu portes Christ dans ton cœur et si tu as été fait aussi pour ça. Je suis rentré de là-bas, après je suis monté à l'université. Mais mon cœur était toujours chaud de Dieu. Et quand j'ai touché ses frères, j'ai senti que non, ses frères, il a la nature là, il va servir Dieu. Et j'assurerai son fardeau. Il y a des personnes qui peuvent éviter servir Dieu. Il y a des gens qui ne peuvent pas éviter. Tu as été conçu comme ça. Et c'est ainsi que les gens qui sont conçus comme ça, quand ils servent Dieu, vous n'allez pas comprendre, comme s'ils ne se fatiguent pas. Comme si ils n'ont pas de problème. C'est parce qu'ils ont été créés pour ça. C'est comme une machine à café. Elle ne peut pas se fatiguer à faire café, non. Parce qu'elle a été faite pour faire café. S'il y a des gens comme ça. Mathieu, je pense que Dieu t'a dit devant les saints. En plus, ton nom, c'est Mathieu. C'est formidable, ça. Que le Seigneur t'accompagne. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour son amour? Je priais pour Winnie. C'était dans un culte ici. Je me dis, il faut prier pour Winnie. Du moment où moi Dieu me parlait, elle aussi Dieu l'avait parlé, il faut que ton pasteur prie pour toi. N'est-ce pas, Winnie? Quand je l'ai appelée, après le culte, je n'ai pas prié pour elle, je dis, Winnie, Dieu m'avait dit de prier pour toi, mais je ne l'ai pas fait. Il me dit, oui, pasteur, moi aussi Dieu m'avait dit, fais que je te le dise. Moi, je dis, t'en fais pas, on va le faire. Comme il me l'a dit, je prie pour toi. Ce que j'ai prié pour elle, il n'y a que moi qui sais pourquoi j'ai prié pour elle et elle-même. Que le Seigneur nous aide. Alléluia. Amen. Nous allons commencer notre séminaire. C'est aujourd'hui qu'on va achever. Nous parlons sur un sujet qui dit ce que le diable n'acceptera pas quoi pour toi. Ce que le diable n'acceptera pas pour toi.
Bien-aimé, nous avons essayé d'expliquer au cela qui était ici depuis le début, malgré le froid terrible. Mais j'ai vu des gens se déplacer, venir à pied comme des Djibril, à pied pour arriver simplement à suivre le séminaire. Ceux qui sont véhiculés ont dit non, on ne vient pas. Parce que ça glisse. Mais quand on part au boulot, ça ne glisse pas. Ça glisse seulement sur la route de l'église. Nous avons dit que le diable ne sera jamais ton ami. Quel que soit tout ce qu'il peut faire pour toi. Tout avantage que toi tu crois que le diable te donne. Crois-moi, il ne te le donne pas pour ton bonheur. Il te donne pour te détruire. Parce que nous avons lu avec les autres qui étaient là, même ceux qui nous suivent tout le temps en live, nous avons lu le chapitre d'Apocalypse, chapitre 12, le verset 12, qui disait, « Sieur, réjouissez-vous, malheur à la terre et quoi ? Et à la mer. Car le diable descendit, animé d'une grande quoi ? Colère, sachant qu'il a peu de temps. » Je vous ai dit qu'un homme qui est en colère contre toi, quel que soit le sourire qu'il te donne, s'il n'achève pas son désir, cet homme n'est pas content. Je nous ai expliqué une parole que l'homme que tu vois, faites attention à cet homme. Parce que même Dieu qualifie l'homme comme le diable. Je lis avec vous le livre de Genèse chapitre 3, que Dieu a dit, vous devez l'empêcher parce que l'homme est devenu comme un dieu. Un de nous, c'était le diable qui s'est révolté. Il a dit, il est devenu comme un de nous. Si le diable est capable de faire le mal aux gens, si l'homme devient comme lui, c'est que l'homme est capable de te faire aussi du mal. Je vous ai parlé d'une histoire que j'ai connue quand je suis parti réouvrir l'église au Congo-Brazzaville, d'une sœur qui a été tuée par sa grande sœur. Sa propre grande sœur de sang, même mère, même père. À cause d'une relation amoureuse. D'un garçon qui venait pour la grande sœur au début, mais le garçon est tombé amoureux maintenant de la petite sœur. Par rapport à l'accueil, par rapport à comment la sœur, la petite sœur le recevait quand il venait, le garçon a changé le côté. Et pour la petite sœur, le garçon s'est décidé maintenant quoi ? De l'épouser. Et le monsieur a pensé se présenter dans la famille. La grande sœur a fait comme si ça ne lui dérangeait pas. Elle a même fait comprendre que non, bon, peut-être Dieu voulait que les garçons viennent par mon canal pour qu'elle épouse ma sœur dans la bouche pour monter aux gens. Mais du fond de son cœur, cette colère était toujours là. L'homme. Elle vivait tout le temps avec sa sœur. Le jour du mariage de sa sœur, c'est elle qui a beaucoup travaillé. Elle faisait tout, les gens voyaient vraiment, non, comment elle aime sa sœur, comment elle cherche à faire pour le mère de sa sœur. Mais du fond de son cœur, aujourd'hui dans ce mariage, les deux là, je veux les tuer. L'homme est devenu comme un de nous. Le diable, la Bible lit dans le livre de Jean 10, 10, le voleur vient uniquement quoi ? Pour égorger, détruire, dévorer. Beaucoup de gens qui nous font rire, bien-aimés, ils nous font rire dans les lèvres. Dans la bouche simplement. Tu ne sais pas combien ils pensent te détruire. Quel que soit les cadeaux. Bien aimé, on ne calme pas la colère d'une personne par des cadeaux. Il faut que Dieu touche son cœur pour que cette personne abandonne. Comment comprendre que la propre sœur de même père, même mère. Bien aimé, alors je te dis la question. Toi qui se vante avec ton demi-frère, ta demi-sœur. Tu crois que si les gens de même père, même mère se sont fait du mal, et ton demi-frère, ta demi-sœur, le diable va épargner? Dieu regarde l'homme. Je vous ai dit que non, quand le diable a désobéi à Dieu, cela n'a pas fait regretter Dieu. Dieu l'a chassé complètement. Mais quand l'homme a désobéi à Dieu, Dieu a regretté. Il a dit non, je regrette d'avoir créé l'homme. C'est la première fois. Mais nous connaissons que la repentance, c'est pour l'homme. Dieu ne peut pas se repentir. Mais la Bible dit Dieu s'est repenti. L'homme a poussé Dieu à faire la repentance. Dans le livre de Genèse, chapitre 6. Même le diable qui était à mes côtés, il ne m'a même pas poussé à regretter ni à se repentir. Mais l'homme peut changer ton cœur.
ce que le diable n'acceptera pas pour toi. Je dis, c'est ton bonheur. C'est ainsi que nous vivons. La réussite de l'autre, c'est le mauvais cœur des uns. La bonne nouvelle de quelqu'un, pour l'autre, c'est une mauvaise quoi? Nouvelle. Je dis, une bonne nouvelle, elle est bonne, ça dépend de la personne qui la reçoit. Parce que d'autres personnes, c'est une bonne nouvelle, mais elle la reçoit mal. Est-ce que vous comprenez cela? Oh, Nathalie va se marier. C'est une bonne quoi? Mais d'autres personnes disent, si, mon abacité. C'est que pour elle, c'est une mauvaise quoi? Nouvelle. Ne pense pas que tout celui qui veut te rapporter quelque chose, elle, il a toujours raison. Non, ça dépend de comment lui, il a pris cette nouvelle. Il te donnera la nouvelle selon son cœur. Non selon la version de la nouvelle. Parce que l'homme, bien-aimé. Je vous ai dit, bien-aimé, nos églises, au lieu de multiplier des adorateurs, mais elles multiplient des démons dans nos églises. Ceux qui chantent, ceux qui font la modération, ceux qui viennent des églises, ceux que vous voyez comme spirituels. Méfiez-vous des gens qui vous font le visage de spirituel. Ce sont des dangereux. Les gens qui nous font du mal. Parce que le diable n'aime pas ton bonheur. Il ne veut pas que tu sois heureux. Il utilise qui? Il utilise les frères que tu vois, la chair que tu vois, pour voler ta paix. Et Dieu dit aux anges, il dit, empêchons l'homme de ne plus retourner dans ses chemins pour aller toucher l'arbre de vie. Empêchons-lui. Toute personne qui est devenue comme le diable, qui ne fait pas la volonté de Dieu, qui ne craint pas Dieu, bien-aimé, empêche-lui de s'approcher de toi, ni de ta famille, ni de tes projets. Ne lui dis rien, parce que cet homme est dangereux. Dieu place les anges, je vous ai dit. Un ange peut arrêter l'homme sans âme, mais Dieu lui donne des âmes. Parce que Dieu a compris, ne blaguez pas avec l'homme. L'homme est une machine très dangereuse que le diable. Parce que c'est Dieu qui l'a créé. Le seul cœur qui a dérangé Dieu, ce n'est pas le cœur du diable, mais c'est le cœur de l'homme. Il dit, dans le livre de Jérémie 17, quoi, verset 9, il dit quoi? Le cœur de l'homme est quoi? Est tortué. Qui peut le connaître? Il n'a pas dit le cœur du diable, parce qu'il connaît le cœur du diable. Mais le cœur de l'homme est fou, même Dieu pose la question. Nous venons, nous sommes ensemble, nous venons à l'église, nous restons en famille peut-être, nous allons dans les fêtes, bien-aimés, ils viennent préparer nos nourritures, mais nous ne savons pas ce qu'ils pensent. Ces jours-là, la grande sœur, c'est elle qui était réservée à présenter la nourriture à la table de sa sœur du mariage. Or, c'est elle qui a mis le poison. Beaucoup d'années, elle vivait avec sa sœur, mais dans son cœur, comme Azouam ou Balongam na Lingaki Liboso, Bakouba la natif, Bakoufa. Mais elle riait. Elle passait du temps avec sa sœur. Elle faisait tout, mais elle attendait simplement. Ce qui est mobile, elle a décidé de balayer pour quitter la sébamonnance. L'homme est bizarre. Il s'appelait Caïn lorsqu'il a pris la décision de faire le mal à son frère. Même Dieu est venu lui dire, Caïn, le mal est devant toi, domine. Mais Caïn, non. J'ai eu l'idée, je vais tuer Abel. Peut-être toi tu diras, moi, je n'ai pas tué comme ça, mais tu m'as tué beaucoup de fois. Tu as tué ta soeur une autre beaucoup de fois. Tu as tué ses frères beaucoup de fois par tout ce que tu dis ailleurs, malgré les bienfaits que l'autre t'a fait. Les diables nous empêchent à regarder les bonnes choses qu'on nous a faites, mais ils nous poussent à regarder les mal qu'on nous a fait. Vous ne comprenez pas, parce qu'il ne veut pas que tu sois heureux. Il ne veut pas que vous restiez dans le bonheur ensemble. Regarde bien, je peux faire beaucoup de bien à ses frères Djibril. Mais nous connaissons le bagage de ma bé, à quoi nous sommes ensemble. Passe papy, n'a pas tout. Non, tu n'as qu'une église, tu n'as qu'une église. Oh, frère! Parce que le diable te dit, oublie tout ce qu'on t'a dit là. Dis bien, regarde simplement ce qu'il t'a fait. Parce que le diable sait, il faut que nous témoignons béba. Le diable veut que tu sois comme lui. Parce que Dieu dit que l'homme est devenu comme lui. Tu ne comprends pas. Tu es là, tu sais que cette sœur a critiqué l'autre un jour chez toi, mais tu m'écoutes maintenant aujourd'hui. Tu es là, tu sais que ses frères a critiqué ses frères un jour. Tu es là et tu le vois parler. Tu es là, tu sais que cette sœur a critiqué même les pasteurs, même ses frères, mais tu le sais. Mais quand on parle comme ça, tu comprends, tu dis oui, c'est vrai. Mais est-ce que as-tu demandé à ses frères ou à cette sœur, quel est le bien que cette sœur t'a fait? On n'aime pas dire ça. Le diable dit, ne parle pas de bien, parle du mal, parce que je ne veux pas que tu sois heureux avec ses frères. Alain, quel est le bien que ton pasteur t'a fait? Mondo, quel est le bien que ton pasteur t'a fait?
Non, attends, c'est que ma madame n'a ni de se mettre, mais elle aura l'obéi. Et il te dit simplement, oublie ça, regarde simplement ça. Non, il te met le cœur de destruction parce qu'il veut que tu sois comme lui. Lui, il est, la Bible dit, le diable est un destructeur. Il te pousse aussi à voir les désirs. Aux autres qui ne libèrent pas la mouninga, moi, ne libèrent pas les cabos à la caca. Ton cœur. Eh, mon ami, Ngolou, eh, bon, si n'a pas bien, n'a pas été mon bali au présent. À mon avis, basse le rôle à bisoter. Est-ce que vous comprenez? Parce que le diable n'acceptera jamais que tu sois heureux ni que tu aies le bonheur. Du moment où toi tu montes, il y a des gens qui pensent comment te faire descendre. Confusion sur confusion, mais les mêmes personnes qui prient, les mêmes personnes à la maison, tu vois, mon ami m'a commis, aux autres, m'a commis. Souti là, tu te rappelles du verset que je vous ai donné, ils font profession de faire quoi? De connaître Dieu. Mais ils sont rêves. Leurs œuvres font quoi? Contredit ce qu'ils disent. Mondo. On a des gens comme ça. Toi, la Bible. Mon ingaï. Menteur. Sa vie, c'est titre chapitre combien? Toi qui avais lu ça. 1. Verset 15 à 16. Mondo, tu as oublié. Titre 1. La Bible dit, ils font profession. Bah, mais ça, le quoi, bat, bah, et binzambe. Mais ma camba, ça, la raison, talé, et ça, contient dans ma camba, bah, la qui sera bat, bah, et binzambe. Osana frère, ou anosana sœur, ou tamoula, la laïe. C'est le diable, la personne. Parce que le diable, quand il se présente devant les gens, il fait profession de connaître. La Bible dit, il se présente comme ange de là. Mais pourtant, il est le diable. Il n'acceptera pas ton bonheur. Alléluia. On a dit, il n'aime pas que tu aies la connaissance, n'est-ce pas? Quand tu connais comme ça, ça lui énerve parce que le diable se nourrit de notre ignorance. Quand on est ignorant, le diable se réjouit. Quand je ne connais pas le mal que me fait le frère Mémas, le diable est content parce qu'il sait que le frère Mémas peut s'introduire chez moi, peut me détruire facilement. Parce que je ne connais rien. C'est Marie, tu as rajeuni comme ça pour moi. Mais je te dis, alléluia. Bon, c'est vite à Christ dans notre église. Les mamans rajeunissent à l'âge de 15-20 ans. Alléluia. La connaissance. Et nous avons dit que nous marchions dans les chapitres d'Exode pour voir comment le diable ne veut pas nous laisser d'aller là où se trouve notre bonheur. Actuellement, comme je vous ai montré, le diable n'empêche plus personne à prier. Il n'empêche plus personne à prêcher la sanctification. Il n'empêche plus personne à parler de ça. Mais la seule chose de dire, prêche, mais ça ne laisse pas. On a lu avec vous, n'est-ce pas? Voilà pourquoi on ne lit pas, parce qu'on va évoluer. Ce qu'on a déjà parlé, je récapitule comme ça. Tu verras quelqu'un qui est un texte de l'église. Quand la personne prie, Seigneur, quand elle finit, ajoute téléphone à Manokata Mangala. Le diable dit, soit une intercesseur, soit un intercesseur. Mais le mauvais langage ne laisse pas. Il dit que soit pasteur, mais Jack Daniel ne laisse pas. Tout le temps quand tu peux, tu finis, Jack Daniel. On passe à TAT, mais ça qui dit, bah tiens, la remoana. Kopo mobo tona kuka. Mino mora le kanet kabo. Ate mara musika nene ba frère que le Seigneur vous bénisse. Mais bon comment de passer comme ningana pa pa ma. Wa pata bino esa onction. Oh shorté. Il y en a beaucoup qui nous prêchent comme ça sous les effets. Parce que prêche démontre l'onction. Les gens tombent au mutana languya. Mais la seule chose le diable dit soit alcoolique. Quand il rentre à l'église quand je sens la gloire. Montezuye moko déjà. Non, c'est l'alcool qui travaille. Quelqu'un me donne la main. Il dit allez-y à l'église. Chantez. Sois les musiciens de l'église. Et quand tu adores, agenouille toi-même. Les gens vont aimer.
Oh non, il a une belle voix. Oh non, non, frère, la sorcière m'a d'avoir la chair de poule. Tu as bien dit, tu ne sens pas l'onction, mais la chair de qui? Parce que si c'était Dieu, tu allais sentir l'intimité avec Dieu. Mais toi, tu as senti la chair quoi? Oh, chair de poule, même Mali, le roi appelle chair de quoi? Sur le qui côté Morobani pour la chair de quoi? Les mêmes frères qui adorent ici, qui prient. C'est comment les cris? Que vous aimez danser. Tu verras Karine Gao. Mais tu verras Karine Sandra Kuna. Fali, Poupa. Il dit, chante comme tu veux, mais ne laisse pas Fali. Je vous ai parlé d'un des collègues que j'avais en Afrique, non? Vous vous souvenez? Un collègue de boulot. Ah, tu me suis toi. Tu sais ce que tu faisais, je pense que tu as abandonné. Je ne cite pas ton nom quand même. Dans la retraite, il avait des écouteurs. Il écoutait les chansons de Kofi à Kalawana Banganini. Nebsabinoana. A coucou. Nous, on voit les responsables avant lui, ils ont médité, à autant la Bible. Oh, coucou, Kobanganana. Et moi, je ne savais pas. Et maintenant, pendant la pause de la retraite, comme on avait la douche, il est parti se laver. D'habitude, il amène ses histoires. Ces jours-là, il a laissé. Moi aussi, j'ai dit, bon, ah, là, il y a ta musique, il y a le sourd là. Quand je le regarde, il me fait. Je vais prendre le lit. Ça là, c'est ce soir là. Et je l'appelle après, je dis, mais pourquoi ça dit? Non, oui, que maintenant, moi, je ne peux pas me permettre de méditer bien. Vous voyez ce que le diable a fait? Il dit, abandonne, ne cite pas les gens. Que ça les cobote. Sois quelqu'un de correct, mais la seule chose, je te dis, ne laisse pas coucou. Et les premiers à condamner les gens. Oh, il y a pas de temps, il y a pas de temps, il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui, bien aimé, l'église ne multiplie plus des adorateurs, mais fait multiplier des guerriers. Vous comprenez? Quand je dis des guerriers, c'est un combattant. C'est ce que vous voyez dans nos églises. Moins de problèmes, vous avez hein? Parce que le capteur, on reproche pour la malade, on est. Parce que l'esprit du mal, de l'agressivité, c'est ce qui forme l'église. Si 100% des chrétiens aujourd'hui, bien aimés, on a moins de pourcentages qui sont vrais chrétiens. On a des chrétiens par appellation. On a des chrétiens par titre. Il dit frère, soeur, prie beaucoup. Mais quand titre dit que va citer l'église. Pasteur prêche, mais sauf ceci, quoi en a-t-elle? Le pasteur vous prêche. Jésus, aujourd'hui, c'est terrible. La sougatière en a dit non. Aujourd'hui. La personne qui a dégagé, oh non, le qui m'attaque, le paralytique au marché. Mais le diable a dit, ça je ne t'empêche pas de faire marcher les gens. Fais marcher les paralytiques, que tu sois célèbre comme tu veux. Mais ne laisse pas Nadine. Est-ce que vous comprenez ces histoires? Il te dit, sois saint. Montre aux gens comment il faut qu'ils marchent. Mais toi-même. Zan a 3 bureaux, 4 bureaux. Est-ce que vous comprenez ça? Après, il s'est dit que non, frère, non, soeur. Il est temps que nous comprenions que le diable, c'est un menteur. Ah, la personne me dit amen. La personne me dit amen. Un enfant de Dieu, quand il attend quelque chose qui est à lui, c'est alors qu'il dit amen. Aujourd'hui, j'ai dit à quelqu'un, avant de dire amen, il faut savoir que c'est pour toi. Amen. Ne dis pas amen parce que tu connais un frère, un sœur fait ça. Dis amen quand c'est à toi. Et décide de changer. Bien aimé, tu peux faire semblant devant moi que tu es saint. Mais la Bible dit dans Jérémie 17, 9, Dieu ne juge pas selon ce qu'on fait monter. Il juge ce qui est dans nos cœurs. Il sait ce que tu es. Je préfère que les gens sachent comme je suis que de faire que je suis saint. Ça énerve encore Dieu. C'est comme quelqu'un qui vit avec toi, qui te trompe, tu es au courant. Il fait semblant, ça énerve. Quelqu'un pense ce que je dis. Quand quelqu'un s'était menté, à cause de l'Oban, ça te choque moins.
Mais celui qui te fait quoi, il te dit la vérité. Si tu découvres qu'il mentait. Au moins, ça donne plus la colère. Vrai ou faux? Merci. Que le Seigneur nous aide. Le diable n'a jamais voulu que toi tu avances. On s'était arrêté dans le livre de Exode 10, n'est-ce pas, ma fille? Quelqu'un peut nous le lire parce que quand tu as un dernier là, je pense que tu pourras. 10. Tu prends simplement le troisième mensonge parce qu'on va rajouter et clôturer prier ensemble aujourd'hui. Dodiège. Tout le monde a trouvé déjà. Tout le monde a trouvé. Exode chapitre 10. À partir du verset combien? 10 à partir du verset 5. Si. Si, si. C'est l'histoire des sauterelles qu'on veut parler là. C'est ça, non? Chacun prend selon sa version. Comment regarder autour? Que vous m'aimiez. Alléluia. Gloire à Jésus, Seigneur, je viens t'adorer. Oh,
Pourquoi on dit ce que le diable n'acceptera pas pour toi? Lis, ma fille. Je vais lire au nom de Jésus. Elles recouvriront la surface du sol, si bien qu'on ne pourra plus le voir. Elles dévoreront tout ce qui n'a pas encore été touché, ce que la grêle vous a laissé. Elles dévoreront tout. Allez directement avec ce 10. On y va. Le pharaon leur dit, que l'Éternel soit avec vous. Vous attendez. Le pharaon qui prend l'image du diable bénit les gens. Il dit que l'Éternel soit qui? Bien-aimé, c'est ainsi que je nous ai expliqué. Le diable, tout ce qu'il prononce dans sa vie, dans sa bouche, pour te faire croire qu'il te dit du bien, c'est du mensonge. Parce que le diable ne peut jamais bénir quelqu'un. La bénédiction, ça veut dire quoi? Dire du bien à quelqu'un pour que cela se réalise dans la vie de la personne. C'est Dieu qui bénit, le diable est maudit. Nous avons des personnes bien-aimées qu'on a donné confiance parce que cette personne m'avait dit que Dieu te bénisse. Voilà pourquoi j'ai dit, méfiez-vous des gens qui vous apportent l'apparence de la piété, qui vous font croire, bien-aimés, que non, ils craignent Dieu. Je vous ai dit que, bien-aimés, nous avons ces gens partout, même dans nos familles, même dans nos églises, dans notre environnement. Vous pouvez regarder la télé, je vous dis, vous regardez Bidi Bidi qui fait rire. Il y a Colo. Et là, quand on a nous avons l'action à acte à boy. Oh. Aujourd'hui, je te comprends. Vous arrivez chez l'arabe, vous voulez acheter le kebab. Au moins, il continue à marquer de la bête. Oh. Mais dis-lui, mais jusqu'où tu veux m'amener, toi? Vous prenez le train. Oh, tu la sentirte. Moi, quand l'esprit me parle, je ne monte pas. Ok, on s'arrête là. Trône de Jésus partout, bien aimé. Trône de Jésus partout. C'est ce que non, le diable nous a fait croire. Mettre dans ta maison les tableaux des noms de Jésus, tu es chrétien. C'est faux. Vous irez dans les maisons, bien aimé, tu regardes devant. Tu es le tout-puissant, la main droite de Dieu. Oh. Tu regardes de l'autre côté. L'Éternel est mon berger. Tu es le côté, le roi des rois. Bien-aimé, tu rentres même dans les toilettes. Tu veux t'asseoir, la Bible, tu vois Dieu toi. Tout à mes faux. Je dis, la salut, on dit. Il y a des trucs comme ça. Tu rentres, tu t'arranges. Au tarat, au cari, pas comme lui. Tu me feras la guerre. Il pense mettre cela, c'est avoir Jésus dans la maison. Vous êtes là. Je dis même aux gens qui envoient des autocollants dans la page de Facebook de ma femme, arrêtez. C'est de la blague ça. Donc il enverra dit, partage à 10 personnes, il sera sauvé. Si être sauvé était facile comme ça, tout le monde allait faire ça. Jésus lui-même dit, et toi tu es le chemin qui amène au salut. Et toi tu me dis,
partage ce message à 10 personnes, tu seras sauvé. N'importe quoi. C'est le diable. La Bible nous montre que ce qui est facile, c'est diabolique. Arrêtez d'envoyer des messages comme ça. Des fois, WhatsApp, regarde là. Quelqu'un envoie un message là. Mais quand je vais lire ça après, tu verras. Dieu dit, c'est là, ceci, c'est là, patati, patata. Mon frère, partage ça à beaucoup de gens. Dieu va te visiter. La Bible, l'amour. Si Dieu pouvait visiter les gens facilement comme ça, bien aimé, tout le monde allait avoir la visitation de Dieu. Les diables, c'était menteur. Il veut me faire quoi simplement? Puisque j'ai écrit le nom de Jésus, tout est Jésus. Non, méfiez-vous de ces gens-là. Qui vous regardez là, allez, pas de Google. Achète le tableau. Dieu est avec moi. Ce n'est pas dit si Dieu est avec toi. Oh là là, le bon mobile à bateau, Dieu est avec toi. Et arrêtez, bien aimé. Le moment où on est où chacun doit se regarder. C'est plus le temps de regarder les autres. De regarder moi-même, je me comporte. Hein? Comment? Que de jouer les gens. Jésus dit dans le livre de Matthieu, chapitre 7, verset 3. Il dit, toi qui regardes la paille qui est dans l'œil de Kétia, mais tu oublies que dans ton œil, il y a la poutre. Or, la poutre est la grosse chose qui est dans ton œil plus que la paille. Romains chapitre 2, verset 21, il dit ceci de quoi? Toi qui enseignes les autres de ne pas faire ceci, pourquoi toi-même, hein, tu le fais? Et Timothée 4, le verset 15 à 16, Dieu dit maintenant par Timothée, Paul le dit, il dit, Timothée, veille sur toi-même d'abord, et sur ton enseignement. Afin de sauver d'abord et toi, et tu sauveras après qui? Les autres. Tu es spécialiste. La manière que les pasteurs, papy, parlent, j'aime pas. Tu regardes la manière que toi tu parles aux gens. Tu regardes la manière que toi tu te comportes. Le diable t'empêche. Il ne veut pas que tu comprennes que si tu te regardes bien, tu auras la connaissance de ta vie et tu vas aller à la terre promise. Il veut te retenir en Égypte. Pour que tu n'arrives pas à faire toute ta bénédiction. Tu ne comprends pas. C'est ce que tu changeras des églises comme tu changes tes chemises. Loba mon église mokuna. Ozobina. Egoni ngana. Egoni. Loba comme l'église msous. Pourquoi? Parce que tu regardes que les gens. Je sais. Ce qui me supporte me faire aussi la guerre. Il y a beaucoup de réseaux sociaux, bien-aimés, qui ne sont que diaboliques. Vous verrez ces gens, ils ont fait les réseaux sociaux uniquement pour critiquer les pasteurs. Bien-aimés, comment toi? Tu ne vois que les erreurs des pasteurs. Ton but, est-ce que Dieu t'a fait le Saint-Esprit? Oh, qui? Si toi, tu es là pour corriger les pasteurs, mais qui te corrige toi maintenant? Vous ne comprenez pas. Vous prenez de telles choses, vous partagez. Hé, hey, mamie Flo, on a tenu le mot talango. Balobi pasteur a temboli kolondam. Babi pasteur bakanye kalesse kitaki. Et la personne qui vous envoie ça, qui parle de sa vie. Oh, tout ça, l'obé, là, va passer pour changer. Bon, il y en a dans l'obé, là, pour changer. Ce que les gens ne comprennent pas, la distraction. Les diables arrêtent les gens d'aller au paradis par la distraction. Ils te poussent à regarder beaucoup les gens, mais t'empêchent à changer ta vie. Et vous ne comprenez pas. Il ne veut pas ton bonheur. Ton bonheur, c'est aller au ciel. Ton bonheur, c'est être béni avec le Seigneur. Ton bonheur, c'est devenir ami de Dieu. Ton bonheur, il ne veut pas que tu aies la connaissance de comprendre que non, je dois me concentrer sur moi pour enlever le péché qui est à moi que de regarder le péché des autres. Pour ne pas aller au ciel, parce qu'il veut que tu sois comme lui. Comme lui, pourquoi? Parce que le diable est destiné à l'enfer. Comme toi, tu seras comme lui, toi, tu iras où? Mabe na boy ko sala yangonde nazali ko sala bolamu na lingi ko sala solo na kukite holo yesu sango na ngayo bolingo na ngana sendi na yo. Oh,
abangaka motote masiae abangaka bobele kombo oyo yebuya na Yesu Kristu na etumba oyo nzambe nakoki te kobunda ngai moko yango nasengi na yo Est-ce que vous comprenez cela? On a bien chanté la chanson. Mais qu'est-ce que le diable nous fait pour nous empêcher à connaître les meilleurs? Le diable te poussera, bien-aimé, à faire le mal. Quand on t'attrape, il te dit, dis-le, la chair est faible, mais l'esprit est bien quoi? Il t'empêche à te faire comprendre que dans la Bible, il y a des gens aussi qui avaient la chair qui était juste comme Noé, qui était juste comme Job, qui était juste comme Zacharie et Elisabeth. Mais il te montre simplement cela. Et quand tu fais que tu dis, ah, dans mon cœur, j'ai la volonté de servir Dieu, mais comme Paul a dit, ce que je veux, ce n'est pas ce que je fais. Et ce que je veux, si le diable te donne de tel verset pour t'empêcher à comprendre qu'il y a 1 Thessaloniciens 4, le verset 3 à 5, qui dit que ce que Dieu veut de toi, c'est votre quoi? Sanctification. Il te dit quoi? De tenir ton corps dans la sainteté et aussi de pouvoir marcher honnête. Le diable te pousse à être malhonnête parce qu'il dit que non, et personne n'est saint, toute personne n'est parfait. Il oublie que Dieu dit quoi? Efforcez-vous de marcher dans la sainteté. Il nous empêche des choses comme ça pour justifier notre péché afin de ne pas quitter cela. Il est mauvais. Dis avec moi, le diable est mauvais. Et quand on t'attrape avec des bêtises, il te dit simplement, l'obélaïe, qui es-tu pour juger quelqu'un? On ne juge pas l'autre. Sinon, toi aussi, tu seras jugé à la même mesure que tu juges les autres. Il te donne matière. Pourquoi? Parce qu'il veut simplement te dire, non, continue. Ne regarde pas le verset qui dit, abandonne. C'est comme ça le diable nous conduit pour qu'on ne pas être heureux. Namokona kokite Kome mae kulusu Senanguya na Yesu Senanguya na Yesu Ngena kokie Lilobana yo abomo Ebana katinanga Etele misangangui La tatola yo mosungi On va Yesu Kolo Nanga Yolongi Singali Mokili Yolongi Singali Ah, je trouve, il y a beaucoup de châtaignes et des gens qui ont des versets dans la tête. On sait bien chanter, mais on ne sait pas comment l'utiliser. Si vous comprenez cela. Au long signe comme mena sugo ça peut dire na lobag mena ibis teto kutana na oh na baladin. Alléluia. Il y a des choses dans notre église. Bien aimé, les églises ne sont pas remplies de chrétiens aujourd'hui. Que personne ne vous trompe. Les églises sont remplies plus de païens qui portent l'identité des chrétiens. Oh, chez nous on est nombreux, mais vérifie le nombre de nombreux là. Ce sont les mêmes personnes qu'on trouve dans les fêtes en train de danser. On est nombreux, nous. Vérifie le nombre de nombreux. Ce sont les gens qui sont dans les boîtes de nuit que vous faites trouver. Et le matin, il vient à l'église et dit, « Na zang église, t'es, voilà la muscle. Zang église, t'es. Ah, bine, belé, coulé dans la boîte de nuit, gara. T'as dansé, t'as dansé. N'a la salle qui a bouillé, d'accord, n'a pas. C'est petit, moi on a dit à quoi dans le méolo. Donc moi le mouvement est passé déjà pas à de la robine. N'y va pas dans les boîtes de nuit, toi. Non, okay. Tu vas faire la honte de ton papa, c'est pas bien. Ce qui est malheureux pour nous aussi, des pasteurs, nos enfants qui viennent jouer des fois dans les églises, c'est les mêmes enfants qui font des bêtises ailleurs. Qu'on attrape une école, bah, et bien écoute, amoureux à bâtir toute école.
Mais ah, c'est le long, il y a moins de pasteur. Ah, qui ça est le gars qui m'a hypocrite. Mais moi, à la soupe, à qui tu dois, ça va toi. Nous, on vient de sortir au culte. Toi, tu dis quoi? Je t'aime. Quelqu'un me donne un amen costaud. Amen. Tu sais que l'affaire existe aussi pour les enfants du pasteur. Surtout vous, vous allez beaucoup brûler. Parce que vous dormez dans la maison au pas tout le temps de Dieu. Alléluia. Amen. La charité bien ordonnée commence. Amen. C'est biblique. Quand Jésus a dit quoi? Commencez d'abord à Jérusalem. Amen. Voilà. Il faut que je fasse dire à Jérusalem. Déjà, moi, à mon église. Jessica, ça va? Jessica, toi tu es la fille du diacre, moi je suis la fille du pasteur. On est déjà sacré. On est sacré, même les anges sont contents. Moi Jessica, oui, moi si j'ai prié, j'ai senti. Je vous attrape. Que je vous attrape. Vous allez être sacrés ici à l'église. Ce sont des choses qui ne se passent pas dans nos églises. Et mais nous disons que Jésus est Seigneur. Bien-aimés, le diable est dans l'église déjà. Quand la Bible dit quoi? Quand vous verrez la désolation et l'abomination s'installer dans les lieux saints, comprenez Matthieu 24, comprenez le verset 15, il dit, comprenez déjà, le diable est déjà, que l'électeur, c'est lui qui lit, fasse quoi? Vous lisez, je n'ai pas pour faire attention, pour bloquer les versets, montrer aux gens que tu connais. Or, la Bible dit, quand tu lis, c'est pour faire attention. Ce n'est pas pour montrer aux gens que tu connais. Il dit, connaissez la Bible, mais ne faites pas attention à tout ce que Dieu vous dit dans la Bible. Ce que le diable nous dit. Dites aux gens que bientôt, aujourd'hui, c'est le venir de la bouche de tout le monde. Jésus revient. Jésus revient. Et comme il dit, style, mon boy, ma que déposé à ma chrétien. Or, à mon frère, tiens, Jésus revient. Nous allons pas, Jésus revient. Aïe, dans ma boîte de nuit. Aïe, dans ma poche. Jésus revient. Songi, numéro 1. Mais il est dit pour que les gens disent que non, il craint Dieu. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que Dieu vous bénit. Que l'éternel vous bénisse. Mais c'est le diable qui dit aux gens que Dieu soit béni. Ah non, j'aime ces frères parce qu'ils me parlent beaucoup de Dieu. Eh bien, mais faites attention. J'ai été frère comme vous. J'ai été devenu aussi mon camine église comme vous. Souvent, je suis un ami, On connaît ça, j'ai grandi dans l'église. Ah, Demigos. Mon Isser Anabunga a trop, moi, m'a suivi. Non, il a suivi les Azosan. Ah, ça suivi là. Je vais vous confesser quelque chose. Mes enfants qui me suivent vont rire. Afrique. Quand j'ai dirigé notre église à Gombe, je vais dire même le nom de cette fille-là. Ça me... Elle s'appelait bébé Lady. Vous connaissez la famille Lady. Cette fille, elle était avec moi. Maintenant, à l'église, Soraya était ma responsable de tout la permission. Voir un frère, Yosef, elle avait bientôt le coin. Comment ça lui suivi à bébé Lady? Il ne faut pas comprendre. Je dois dire, pasta, ce qui est maintenant, comme il est kanda. Manzula, passe papi. Bolim Sarah. La gare la bille est belle et ça rend une auto. Mais je confesse, non? Ah ben oui. Pasteur Charlie, surtout yo, aujourd'hui c'est passé belle les caboïs pour tout le monde. C'était le péché qui dirigeait ces moments-là. Je vous dis, lui, sous moi, ma mère.
Ce qui n'a pas tout le banaté, il faut que ça soit dans l'église, dans le monde, dans le monde. Bon, si vous avez été là. Charlie, Anzula, toi, tu as réuni pour la dagaï. Vous voyez. Moni bino ma chabino a te pour na pesa bino mate. Na chabino pour vous ça ngamba ba an ba kota l'église. Parce que mais passer d'hôtel qui a dit bon bébé les d'aide quoi. Le soumou. Et nous avons des pasteurs comme ça jusqu'aujourd'hui. Alléluia. Moi j'ai confessé. J'ai juste fidèle à pardonner celui qui confesse ses péchés. J'ai maltraité mes enfants spirituellement. Mais maman, quand ça gagne, on a un souci à âme. Souci à âme, t'es souci à bolingo. Voilà pourquoi je vous prête les choses que je connais. Pour vous dire, je connais. Oh, pasteur, pasteur, ça a été qui a suivi, t'es suivi à Zolobali. Moutou le monde, pourquoi on se voit à l'église. Parce que c'est pas bon, tout ça, moi, je ne propose pas. Parce que proposition dans les alliés, moi, je ne vais pas te voir, moi, toi, d'abord, la nappe. N'est-ce qu'il sert tel? Faut donc qu'il ne veut pas aller. Pourquoi ils appellent là? C'est que l'on là. Oh, monsieur, de te la couleur de colo, couleur de bigot. Pourquoi c'est le nectar, il ne vient pas? C'est ce que j'ai dit, l'église est remplie du mal. Le mal, aujourd'hui on dit qu'il y a Jésus, mais il n'y a plus Jésus dans beaucoup de gens. Parce que le diable c'est un menteur. Dis à ton voisin, le diable c'est un menteur. À cause de cette fille, un jour j'allais prêcher là où le prophète Alain. Au milieu, je n'ai pas rendu là. Toi qui n'as Alain. Là, il était parce qu'il est allé à l'ensemble. Là, il a écouté le frère, il a dit Alain qui est là, là, dedans. Mais c'est là qu'il y a été. Il y a été. Pour, na kena na ngaye. Yo et moi, eh, yo te a dena, ah, tiens, madame, moi, ils ont gamme d'auté, n'a quitté. Satan a m'abé. Boyo, quand il y a tant au monde, il y a un prophète, il y a un cosa. Il y a un prof, moi, tu as un business, ma, c'est un gabo. Transport. Na mon air est l'équipe, n'a pas de la hostigue. Bien aimé, que le Seigneur nous délivre. Alléluia. C'est ce que j'ai connu aussi dans ma vie. Quand je vous prêche, je veux que vous ne faites pas ce que moi je fais. Pour que vous changez. Parce que on est ce temps. Tu diras, on est passé à faire, maintenant il a pris le temps. Mais moi, Dieu au moins, pense-toi, aujourd'hui j'ai confessé ça. Si je l'avais confessé avant, c'était bien. Quand j'ai fait l'accident, je n'avais pas confessé ça. Maintenant, je suis mort là. Yo yaka. Yaka wa, te pardon. Galo la vie, lola wa. Yo, au cas que l'église pour le kobolote wa. Mais Dieu m'a laissé vivre aujourd'hui. Dans ce séminaire, l'occasion s'est donnée, je confesse, pour que mes enfants là, parce qu'ils sont tout le temps avec moi au téléphone, je ne leur ai jamais dit le mal que je les ai fait. Mais c'était le mal. Bon, bien qu'ils m'aimaient, ils sont restés fidèles jusqu'à aujourd'hui. Mais au moins, à un moment, je les dirigeais selon la chair et non selon l'esprit. Bien-aimé, le diable, c'est un menteur. Beaucoup de décisions que tu prends, vérifie si tu les prends avec Dieu. Alléluia. Il dit que le Seigneur vous bénisse. Quand je l'ai reproché, je lui disais aussi que le Seigneur quoi? Ah ah. C'est facile à dire à quelqu'un que Dieu te bénisse, mais tu ne l'aimes pas. C'est ça. Quand on dit saluons-nous à l'église, frère, que Dieu te bénisse, mais je ne t'ai jamais aimé. Vous en avez ici, cette église. Si tu n'as pas peur, Pharaon Cameroun n'a pas peur de lui. Ce qui aura peur de dire ça. Que Dieu vous bénisse. Je vais vous laisser partir. Oh, si sûrement je vais vous laisser. Le diable fait quoi toujours au Tico Kedeliboso? Mais oh, il ne voudra jamais que toi tu avances. Vous et vos enfants. Vous et vos enfants. Mais seulement. Attention. Attention. Car le malheur est devant vous. Car le malheur est devant vous. Écoutez ceci.
Le diable dit que Pharaon dit, je vous laisse partir. Mais il les intimide, il dit, hé, combien de gens nous sommes venus pour, bien-aimés, nous faire peur. Parce que ces gens ont compris que si je laisse le frère là faire cela, il va réussir plus que moi. Tu commences une entreprise, quelqu'un vient de dire, hé, le bon entreprise, mon corps est raciste et aussi, maintenant, vous n'avez pas la kanga. Je suis au Kanga, comme Edouard comme yo. Toi, tu es Edouard. Moi, je suis peut-être Philippe. Il y a des gens qui n'aiment pas la joie des autres. On a vu, moi, si mon robot, comme on a eu Sophie. Sophie, ton ami, son mutoye, bimbo, yo. C'est quoi ton problème? Hey. Ah! Baba, quand vous payez, la ramba, yo, on boit, qu'on fait rien. C'est le mauvais cœur de l'homme. Yo semble la rame la force pour dire, hé, où est-ce que ah ouais, on est 10 ans, il y a l'exemple. Est-ce que vous comprenez? Vous me suivez les gens d'Orléans. Vous savez ce que vous dites, mais vous allez à l'église, tatano, ouais, songi, songi, tika. Le pasteur papy est sorcier, toi tu es saint, ton devoir c'est quoi? C'est me sauver. Je suis une âme. Il a dit allez faire toutes les nations mes disciples. Je fais partie de la nation, tu as aussi à m'aider. Alors c'est que tu ne sers pas un vrai Dieu, parce que les diables, Jésus n'a pas peur du diable, c'est au diable d'avoir peur de vous. Comment vous avez peur d'un diable? Vous ne priez pas encore Dieu. Vous ne connaissez pas encore le Seigneur. Les jours que tu comprendras, c'est Élie qui va retourner là, c'est tous les prophètes de Baal. Et les prophètes de Baal, c'est eux qui seront décapités. Si vous êtes Élie, venez sur le mont de Carmel. Est-ce que vous comprenez ça? Bien aimé, parce que le diable nous empêche d'avoir la connaissance. Il veut nous montrer simplement les choses qui font peur. Mais David, j'ai aimé. Il a dit, moi David, même quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal. Parce qu'il y a des choses qui me rassurent. Son bâton et sa houlette. Je me redis, frère, toi qui n'aimes pas les bâtons, tu n'es pas de Dieu. Il y a des choses qui garantissent la personne qu'on appelle David. Le bâton et la houlette. Le bâton, c'est pour taper. Et la houlette, c'est pour récupérer. Un enfant qui n'aime pas qu'on le tape à l'église, on le reproche à l'église, c'est un enfant du diable. Si quelqu'un aime toujours, on le prend gentil. La houlette ne fonctionne pas seule. David a dit, il y a des choses. Le bâton est quoi? C'est ce qui le rassure. Il dit, faites attention. Ils nous font peur. Parce qu'ils savent que si nous allons arriver à la terre promise. Il faut qu'on ait peur de ne pas partir pour rester toujours quoi? En Égypte. Tu vas aller sur le passé, papy. Hey, n'y va pas. Parce qu'il sait quand tu viendras ici, on te parlera la vraie vérité. On va te dire, marche comme ça. On ne va pas te laisser peut-être chanter ici parce que tu as dit que je sais jouer. Non, on te dira, tu dois respecter ça. Il te dit, reste là-bas, tu es tranquille parce qu'on sait que là-bas, même si on a la kiwa, puis on regarde le canaï. On continue de l'attendre à 15h35. Bah, aller sur les cases aussi, maman. Mais, il dit, hey, tu sais, moi j'étais à la chorale là-bas, hey, tu es allé ici. Et comme nous voir avant, non, alors dit que nous avons un souk. Bah, il y a des vous l'osez, après. Ce bala qui sont là, la Bible dit quoi? Vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Il vous empêche à être libre par la vérité, mais il vous montre ce qu'on vous dit non. Pourquoi le belanga non? Église ensemble. Il y a été bon, Nico, mais ce qu'on peut s'offrir, parce que le Lucas Jésus dit non, mon fouillage. Porte quoi? Dans ma carte, il y a un zambé, il y a un peu de bon et un fouillage seul et comme l'église n'a eu. Et comme Marie dit, il n'y a pas de temps à charge. Maintenant, Marie Moussou dit, il y a un ami. Il y a un ami. Il y a un ami. Il y a un ami.
Yahweh, 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 Yomosumi, Yahweh, Yahweh, Yahweh. Ozali polanga, oye makana tongo. Ozali polanga, zela na mika katano. Zela ya sole yo kota mula, yesu nana yo kumama. Zela ya solo na kota mula, yesu nana yo kumama. Ozali polanga, j'aime ça. On peut acclamer la chanson. La gloire de Jésus. Que Dieu te bénisse, Mathieu. Mais quand on a dit Dieu se bénisse, tant à Dumabi, si, il y a des babies à Rosalanzan, si. Voilà qui costume. Quand les yeux dans le thème. Il y a des gens comme ça. Bisous de l'air depuis que la monde a été à la bisous. Il y en a un long, et qui en haut, bat-baye, mamie, vous n'avez pas famille. La sorcellerie va vous tuer. Tu vois, quand on sorcelle, on le quitte la bouteille aussi, mais c'est pas moi, on le voit la mouille. Je vous mens pas. Pendant que vous avez des gens, vous m'amènez. Si on a le quitte la bouteille, on a coquetté, on a provoqué la mouille. Vous avez bon côté. Pour fumer la porte, parce que vous comprenez les ténèbres aux oies. On a la paix à la poste dans ma famille là-bas. Écoutez, tu connais le passé papi ou pas? Soyez bien, tout est comme on a eu. Balou baga, soyez bien. On le bat trop. Au côté de Babam, si vous l'avez fait, le bout de chambre, on va le voir. On le bat trop. Maniga Koutou, Bausiga, moi, nous résolvons, Bayou, ma carrière, l'yot. Alléluia. Il dit que le Seigneur te bénisse. Bien-aimé, vous avez ces gens à vos côtés qui, des fois, s'approchent de vous. Quand tu dis quelque chose, et l'autre pense à ma loupe, ah, pourquoi le bail a vanté quand il y a. On a ces gens. Je ne dis pas que ça peut arriver, mais quand ça devient tout le temps, même en français, on dit tout texte, c'est quoi? Même Dieu lui-même a dit chaque chose à son temps. Arrête de me dire Jésus dans tout temps. Mais il y a un temps pour parler aussi des choses que tu fais dans le travail. Toi, tu vas au travail, il y a une chose qui est nettoyer le bureau. Oh, Jésus lava les pieds des apôtres. Oh, c'est quoi ça? Tout ce qui va dire, mais, madame, c'est quoi? Mais Pierre dit, lave-moi tout le corps. C'est quoi? Tu veux me laver, madame? Parce que tu veux parler de Jésus. Comme si pour que les gens sachent que toi tu es un véritable chrétien. Bien aimé, moi votre pasteur, je suis pasteur, mais il y a des endroits, je rentre là-bas, qu'est-ce que j'ai fini, je n'ai même pas dit le nom de Jésus. Ça ne veut pas dire que j'ai péché. Bon, est-ce que vous comprenez cela? Je suis parti à la traite du travail, je dois m'en parler de Jésus là-bas en fonction de quoi? Dis-moi. Dis-moi maintenant, tu veux montrer que tu es pièce. On te demande que, mais si tu connais, est-ce que tu es juriste ou tout ça? Oui, un seul et juste juge, c'est Jésus-Christ. Mais c'est sauté. Ouais, tu veux dire que tu es malade? Sois bien le vie. Quand il a dit, si on vous chasse, il faut secouer les pieds. Je pars. Mais tu risquerais pas bien l'homme gosse pompier? Jésus, la Bible dit dans le livre de chapitre 3, chaque chose quoi à son temps. Mais pas parce que tu parles de Jésus partout, tu es saint. Au coup de Batabat Bazoli à la banque, on l'aime sous la salon de coiffure, quand tu as raboué. Mais frère, Jésus a dit, celui qui a deux, donne un au liaté. C'est la meilleure maman pour ta cathédrale pas. Si on peut avec ses belles. Parce que tu veux te faire trop spirituel. Tout excès quoi? Faites attention aux gens qui viennent tout que le Seigneur te bénisse.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je suis parti un day à Paris. Je voulais enseigner. J'attends la voix du fond de mon cœur. Dieu me dit, ne prêche pas ici. Je suis là, j'ai resté, je causais avec quelqu'un. Ce que mon dit, mais ma pasteur bazar va en théâtre. Mais qui pasteur a repéré comme ma belle, mais sous belle, qui pasteur a rien église au nez. À ce moment-là, il a là. Je t'ai dit. La valine a cessé. T'es là qui est né, c'est frère. Pourquoi tu as été? Pourquoi tu as été? Ok. Non, pasteur, tu es bon prochainement. Prochainement, il va travailler, pas au galère, papa. Mais sur la valine, où tu es en morning, à l'osera. Tu as la banoté. Mais aventurier, bon, il y a un amen, amen, la souris, parce que les arandés boué. Mon place à bon, nous salibou, les arandés boué. Naïe sur le troisième jour, na zon mou laïe raye. Eh, mou laïe. Vous pouvez les embrouiller. Mais là, il commence à réclamer encore. Ah, mou laïe, ah. T'as la sixième passe, na ma table au moins, vous voyez comment dire. Donc, quelque part, après un épisode, tu vois, maintenant tu as compris que chaque chose, quoi, son temps. Voilà. Il ne faut pas faire tout pour moi. La Bible nous montre dans le livre de Actes chapitre 16. Pierre, Paul plutôt, arriva dans une ville. La Bible dit, il voulut prêcher. L'Esprit de Dieu les a dit, ne prêche pas. Ne prêche pas dans cette ville-là. Allez dans une autre ville. Il a un jour, dans une autre ville, on le persécutait, il a voulu fuir. Dieu l'a dit, ne fuis pas, je serai avec toi, personne ne va te faire du mal. Car dans cette ville, il y a encore un reste pour moi, tu dois prêcher. Vous voyez maintenant comment Dieu fait. Il y a des endroits que Dieu te dit, ne prêche pas, quitte cet endroit. Soit on quitte, oh, mon âme, on quitte Akimi. Non, Dieu ne veut pas. Quelqu'un pense ce que je dis. Ma fille, ça on avait déjà prêché hier, n'est-ce pas? Prends-moi. Bon, ça je donne le dernier pour qu'on voit prier. L'autre, je vais vous rajouter de la semaine. On est à 10. Prends à partir du verset, attends, je vérifie. Quelque chose, on va lire. Commence à 21. Voilà. Si fort qu'on puisse les toucher. Moïse tendit sa main vers le ciel et il y eut des pestes ténèbres dans toute l'Égypte pendant 3 jours. Les gens ne se voyaient pas les uns les autres. Les gens ne se voyaient pas les uns quoi? Les autres. Et tout fait. Et personne ne bougea de sa place pendant 3 jours. En revanche, il y avait de la lumière partout où habitaient les Israélites. Le pharaon appela Moïse et dit, allez servir l'Éternel. Seul votre petit et votre gros bétail restera, et même vos enfants pourront vous accompagner. Moïse répondit, tu mettras toi-même entre nos mains de quoi faire les sacrifices et les holocaustes que nous offrirons à l'Éternel. Merci. On acclame un peu parce que je vais continuer. Bien-aimés, suis-moi attentivement. Je vais clôturer ici. Le reste, je me donnerai de la semaine. Suivez. Pharaon qui prend l'image du diable, il continuait toujours à résister, à ne pas laisser les enfants d'Israël aller dans la terre quoi promise. Là se trouve leur bonheur. Alors qu'est-ce que Dieu demande à Pharaon, à Moïse et à Aaron? Il dit non, il faut prier pour que les ténèbres épaisses rentrent un peu quoi en Égypte. Bien aimé, quand on dit les ténèbres épaisses, c'est que tu peux mettre la lampe, mais tu ne vois personne. Au point que les ténèbres entrent en Égypte, personne ne pouvait voir l'autre. Pharaon a trouvé que non, 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 non. Ça, il faut que je demande à ces gens de trouver la solution. Mais cette fois-ci, quand ils sont venus, Pharaon leur dit, hey, priez votre Dieu pour qu'il éloigne les ténèbres là. Et moi, je vous laisserai aller. Le diable nous manque toujours que je vais vous laisser servir Dieu. Mais pourtant, c'est faux. Quand ils ont prié, les ténèbres étaient parties.
Aaron et Moïse revoyèrent encore la personne de qui? De Pharaon. Pharaon dit, bon, je suis d'accord que vous partiez. Cette fois-ci, partez avec vos femmes, vos vieillards et tout ça. Mais laissez vos petits et menis, vos gros et quoi? Et petits bétails. Vous savez, à l'époque, la richesse était les animaux que vous avez tous là. Maintenant, il leur dit, ok, Nabino, mais votre père. Est-ce qu'en réalité, Pharaon avait l'intention de les laisser partir? Parce que Pharaon sait. Si vous partez, la route que vous prenez, c'est le désert. Vous aurez besoin de manger. Vous aurez besoin de l'eau. Si vous laissez, c'est quelque part pour vous dire que bien-aimé, c'est comme ça beaucoup de gens qui travaillent pour le diable pour nous empêcher à réussir. Ils nous aident, mais pour nous bloquer. Ils te soutiennent, mais avec une mauvaise intention. Il rend service à quelque chose, à un moment il laisse parce qu'il a dit que bon, comme on a besoin de pas tout ça, mon ami, non. Il y a des gens comme ça. Dans mon ministère, j'ai appris beaucoup de choses avec le Seigneur. De ne pas supplier les chrétiens, mais de les montrer que nous tous, nous sommes appelés à supplier Dieu. Parce que quand tu commences à supplier les gens, tu vas tourner ton regard à Dieu. On ne supplie pas l'homme, on supplie Dieu, nous tous. Mais qu'est-ce qu'on voit dans nos églises? Surtout les musiciens dans nos églises troublent beaucoup de pasteurs, même les pasteurs qui suivent ici. Bah, commission musique, maligné surtout pas, maligné, oh bon, de là, on peut dire que tout le monde est dans la maison d'Abisso. Non, écoutez. On a compris quelque chose, l'adoration n'a pas commencé avec l'instrument. L'adoration était l'expression de donner à Dieu ce qui est important de ta vie. Et en comprenant cela, je veux aussi que les chrétiens comprennent. Parce que les chrétiens disent, ah, musique, ma longue, là, t'es une église, on a changé. Non, l'adoration, ce n'est pas un son, un instrument. Quand l'adoration a commencé, il n'y avait même pas un tambourin. C'était Abraham qui a utilisé le mot adoration. Les jours qu'il a voulu donner son fils unique, qui était précieux à ses yeux. En comprenant ces choses, certains pensaient que passer peut pas amuter mal. Non, c'est la compréhension. Car la connaissance, c'est ce qui nous nourrit. Si aussi les chrétiens comprennent cela, personne ne va négliger les choses de Dieu dans les églises. Ils vont dire non, j'ai quelque chose de précieux. Je dois donner ça à Dieu. C'est ça la vraie adoration. La vraie adoration, ce n'est pas tes doigts que tu joues à la guitare. Ce n'est pas tes doigts au piano. Ce n'est pas ta voix au micro. Mais c'est les dons précieux que tu as. Tu les donnes à ton Dieu maintenant. Et à ce moment, tu comprendras. Je ne peux plus me valoriser. Mais je donne à Dieu ce qui est à lui, qui est à moi là. Toutes ces histoires, le diable nous empêche. Albi, qu'est-ce qu'une église? Mais oyo, tika yango. En Égypte, qu'est-ce qu'une église? Salé laïe, mais les cabos à l'ango, qu'on salé l'ango nous embêter.